W, oui, W c'est en joule. Donc ici, c'est Newton mètre radian moins 1. C'est ça, c'est. Donc c'est appelé constante de torsion. Donc ici, il y a une analogie entre travail du couple de torsion et travail de la tension telle de ressort. Travail de la tension de ressort, c'est moins 1 demi de KS carré. Travail du couple de torsion égale à moins 1 demi de C theta carré. Ici, analoguement, X est analogue à theta, K est analogue à C. C'est bon. Maintenant, là, ces élèves, ici, donc ici, qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que, dans ce cas, si l'équilibre est réalisé, donc on aura le moment de ce couple-là est équilibré par le moment du couple de torsion à l'équilibre. Lorsque là on tord la tige est dans un nouvel état d'équilibre. Et dans ce nouvel état d'équilibre, le moment du couple de force est compensé par le moment du couple de torsion. Donc on aura moment du couple de torsion plus moment du couple de égal à 0. Ça veut dire quoi? MCT égale à moins MC égale à quoi? Par définition, moins Cθ. Moins Cθ. Moment du couple de torsion égale à moins MC égale à moins Cθ. Ça veut dire quoi? FD moins Cθ égale 0. Si je remplace FD par moment du couple, MCT par Cθ, donc on aura FD moins Cθ égale à 0. C'est bon. Donc, ces élèves, voici l'expression du moment du couple de torsion. D'accord, égal à moins M, travail du couple de torsion. Et le moment du couple de torsion est un moment de rappel. C'est quoi, hein? Est un moment de rappel. Le moment du couple de torsion égal à moins cet état. Ça veut dire quoi? Le moment du couple de torsion est une fonction linéaire de l'angle theta balayé. Avec la constante de torsion qui s'exprime en newton mètre radian moins 1. Et le travail du couple de torsion lors de ce déplacement est égal à moins 1 demi cet état carré. Maintenant, ces élèves, comme tout à l'heure, pour une élongation, pour une rotation d'angle de theta 1 vers theta 2, pour une rotation d'angle, tout à l'heure, on avait dit pour un élongement de x1, x2, de la même façon, pour une rotation d'angle de theta 1 à theta 2, on aura W vers Cθ égale à moins 1 demi de C, facteur de theta 2 au carré moins theta 1 au carré. Tout à l'heure, on avait dit moins 1 demi de K, facteur de x2 au carré moins x1 au carré. Hein? C'est une analogie. Θ est analogue à x, C est analogue à K. Donc, moins 1 demi de C, θ 2 au carré moins θ 1 au carré. Donc, ces élèves, voici hein, le moment, le travail d'une force lors d'un moment de rotation. On a vu l'expression, le travail du couple de force, le travail du couple de torsion. Maintenant, nous allons voir un dernier programme, grand C, où on va s'intéresser à la notion de puissance. Hein? Depuis le début du cours, on s'est intéressé à la au travail. Maintenant, nous allons nous intéresser à la notion de puissance dans les deux types de mouvements. Mouvement de translation et mouvement de rotation pour boucler ce chapitre. C'est bon. Dans une dernière, dans une troisième et dernière partie, nous allons nous intéresser à la notion de puissance. Puissance d'une force. Depuis le début du cours, grand temps, grand B, on s'est intéressé au travail d'une force. Grand C, on va s'intéresser à la puissance d'une force dans les deux types de mouvements. Mouvement de translation, puis mouvement de rotation. Grand 1, cas de mouvement de translation. D'abord, on va voir ce que c'est la puissance. Excusez, là, c'est la notion de puissance. D'une force. Donc ces élèves, supposons qu'on a deux machines A et B. On considère deux machines A et B qui effectuent un même travail. Considérons deux machines A et B effectuant le même travail. Si A effectue ce même travail dans un délai plus court, que pourrons dire, on dira que A est plus puissante que B. Donc on dira que deux machines A et B effectuant le même travail. Si A effectue ce travail en un délai plus réduit, dans ce cas,
la machine A est plus puissante que la machine B. C'est-à-dire ici, la puissance rime et fonction de du travail effectué par unité de temps. D'accord. Cette machine-là, A, c'est comme par exemple, je vais donner un exemple, il est dimanche, devant chez vous, il y a un tas de poubelles qui dégage une odeur nauséabonde. Votre père ou mère vous demande de l'enlever. Il vous propose deux services. Un Caterpillar et un groupe de talibés. Et chacun réclame 10 000 francs. Selon vous, qui allez-vous choisir? Certainement le Caterpillar. Pourquoi? Parce que le Caterpillar va enlever cet art d'immondice pendant 5 minutes, alors que le groupe de talibés peut faire 2 à 3 heures pour l'enlever. D'accord, donc on dira que si on a deux machines A et B qui effectuent le même travail, la machine qui effectue ce travail en un temps plus réduit que l'autre est plus puissante que cette autre-là. C'est bon. Si A et B effectuent le même travail, si A fait ce travail, effectue ce travail en 10 minutes et B le fait en 1 heure, on dira que A est plus puissante que B. Donc la puissance d'une force rime avec le travail effectué par unité de temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, une dernière fois, on considère deux machines A et B qui effectuent le même travail. Si A effectue ce travail en un délai plus réduit que B, nous dirons que A est plus puissante que B. C'est bon. Maintenant, après cela, on va s'intéresser à l'expression de la puissance d'une force. Expression de la puissance d'une force. D'une force. F. Donc, on dira que le travail d'une force, F, est égal au travail effectué par cette force par unité de temps. Puissance d'une force F égale à travail de la force F par unité de temps. D'accord. La puissance d'une force F est égale au travail de cette force F par unité de temps. P de F, elle est la puissance de T par P, P rond. P de F égale W de T sur delta T. D'accord. Or, donc ici, delta T est en seconde. La puissance est en joule. Par conséquent, la puissance cesse de l'élève s'exprime en watts. Déjà vu en classe de 3e. La puissance s'exprime en watts. D'accord. Or, qu'est-ce qu'on sait, cesse de l'élève? Or, on sait quoi? On sait que W de F égale à F escalaire à AB. F escalaire à AB. On a la puissance de F égale à F escalaire AB sur delta de T. Et là, on peut l'écrire F escalaire AB sur delta de T. Donc, puissance de la force F égale à quoi? Ici, que peut-on dire de AB sur D, delta T? AB sur delta, à quelle dimension? AB sur delta T, c'est elle, à la dimension d'une vitesse. Très bien. Donc, on a la puissance de F égale à F, de F égale à F escalaire V. D'accord. Parce que l'expression AB sur delta T égale à V, puissance d'F égale à F escalaire V. Donc ici, dans le système international, F est en newton, V en mètre par seconde. Toujours la puissance, c'est en watts. Ça, c'est l'expression, ses élèves, de la puissance d'une force. Maintenant, en dernier sous-paragraphe du chapitre, on va voir le cas d'un mouvement de rotation pour boucler ce chapitre. Grand 2, ses élèves, cas d'un mouvement de rotation. Grand 1, petit 1, petit 2. Grand 1, grand 2. Grand 2. Maintenant, c'est-à-dire, après le mouvement de rotation, translation, on va voir le mouvement de rotation. Maintenant, ici, ces élèves, qu'est-ce qu'on sait? Dans le cas d'un mouvement de rotation, W de F égale à quoi? Moment de F
par rapport à delta fois theta. Ici, or, on vient de voir que puissance de F égale à W de F sur delta de theta. Donc là, c'est égal à quoi? Moment de F par rapport à delta fois theta sur delta T. Et là, donc, on aura puissance de F. Je peux l'écrire ça. Moment de F par rapport à delta fois theta sur delta T. Et ces élèves, que représente theta sur delta T? Donc, W de F égale à moment de F fois de theta fois oméga. D'accord. Avec oméga égale. Avec oméga égale à theta sur delta de T. Et que représente theta sur delta de T? C'est la vitesse angulaire du mouvement. Vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Du mouvement. Ici, theta, c'est en radian. Delta T en seconde. Dans ce cas, oméga sera en radian seconde moins 1. D'accord, donc ces élèves, dans le cas d'un mouvement de rotation, la puissance d'une force est égale au produit du moment de force et de la vitesse angulaire de rotation du mouvement. Ici, oméga égale θ sur delta T. C'est-à-dire en radian par seconde. Et ici, la puissance est toujours en watts. Donc ces élèves, voici le chapitre, le premier chapitre de physique sur le travail et la puissance. Précédemment, on a vu le premier chapitre de chimie sur les généralités sur la chimie organique. Ce sont les deux chapitres que votre professeur vous introduira au cours du premier devoir. Dans tout le Sénégal, le premier devoir de première s'articule autour de ces deux chapitres, C1 et P1. Voici P1, donc P1. Précédemment, on a déjà corrigé C1, on a fait C1 le cours et on a corrigé des exercices. On vient de faire le cours sur P1. Prochainement, nous allons vous proposer plus d'une dizaine d'exercices parce que ce chapitre-là est très intéressant. On va prendre du temps. On va prendre du temps. On va vous proposer plus d'une dizaine d'exercices que l'on va corriger et on va commenter. D'accord. Donc, Inch'Allah, après ce cours, on mettra du temps pour corriger plus d'une dizaine, je peux même dire plus d'une quinzaine d'exercices sur travail et différents, avec des exercices aussi différents les uns que les autres. D'accord. Chaque 17 exercices, ou ces exercices seront des formats différents. C'est pour vous permettre au jour de votre devoir de faire, de composer sur des exercices déjà traités. Imaginez que qu'on fait 17 exercices, votre professeur vous donne une dizaine d'exercices, ça fait 27 exercices, vous en cherchez d'autres, ça fait une trentaine d'exercices. À coup sûr, au cours du devoir, vous aurez un exercice ou deux exercices déjà traités dans la plateforme Mbakemat. Et dans ce cas, vous allez maximiser vos chances et avoir au minimum un 17. On veut que cette année-ci, tous les élèves de l'Institut Mbakemat qui soient une bonne note au premier devoir, au minimum 17, et au second devoir, la même chose, qu'en composition, la même chose. L'Institut Mbakemat est là pour vous permettre d'accéder à ces matières-là, d'avoir de bonnes notes dans le premier semestre. D'accord, aussi bien au semestre. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, informez votre camarade que les enseignants. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.